Yo les gars, c'est Rex pour une toute vidéo de glitch sur Black Ops 3 en mode multijoueur. Donc mon multijoueur est en mode partie perso. Donc pour ce glitch, il vous faut les mêmes séries de points que moi. Donc couperet, Hellstorm et Rapace. Il faut que vous mettez une syntaxe dedans vos classes pour bien que le glitch fonctionne. Donc pour faire ce glitch, donc dès que vous serez dans votre partie, il faut que vous débloquez vos 3 séries de points. Donc comme j'ai dit, ça marche en partie publique et en partie perso. Donc en attendant le chargement, mettez un petit like, ça me fait plaisir. Donc en attendant que vous mettez le petit like, on attend. Mettez-le, dépêchez-vous. Non, je rigolais. Donc voilà, mettez un petit like, parce que c'est quand même une super vidéo, je trouve. Donc voilà. Donc de toute façon, là, dès que vous aurez les 3 séries de points, vous allez aller devoir à un endroit juste à côté, en dehors de la map. Donc là, vous allez prendre votre couperet dans les mains. Et vous devez le balancer en dehors de la map. Et en même temps que vous le balancez, vous devez activer votre missile Hellstorm. Donc là, ça a marché. Avec le missile Hellstorm, il faut que vous allez droit sur vous. Voilà, comme je fais. Dès que vous êtes mort, normalement, vous allez réapparaître à vous couper. Là, vous touchez plus la manette. Ensuite, là, vous balancez une syntaxe. Vous activez votre Hellstorm. Et vous allez le plus sur le côté possible. Donc moi, je vais le plus à droite possible. Normalement, là, vous allez respawner. Il va falloir allumer votre rapace et directement le contrôler pour bien que ça marche. Et normalement, au bout de 2-3 secondes, si vous avez bien réussi le glitch, vous allez respawner avec la même vue que moi. Et vous allez devoir contrôler votre rapace avec la même vue que moi. Donc vous allez devoir avoir la même vue que moi. Donc dès que vous contrôlez le rapace comme ça, il va falloir que vous allez en haut d'une maison. Donc en fait, ça dépend où vous respawnez. Vous pouvez respawner un peu n'importe où dans la map. Il va falloir que vous montez en haut d'une maison. Moi, comme vous pouvez voir, je monte en haut de la maison là-bas. Donc vous montez environ à 3-4 mètres de hauteur pour bien spawner dessus. Et là, il faut attendre que le rapace meure. Donc voilà. Voilà, le rapace il va mourir au bout de 30-20 secondes, je sais plus trop. Donc voilà. Maintenant, voilà. Donc le glitch est simple à réaliser si vous le connaissez par cœur. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est normal. Pour ce glitch, si vous voulez le faire pour bien vous poser sur une maison, je vous conseille de le faire avec un ami ou quoi. Et entraînez-vous en partie perso. Donc ensuite, quand le rapace va mourir, vous allez spawner à l'endroit où le rapace est mort. Donc moi, je l'avais fait sur cette petite maison. Et là, vous êtes tranquille sur un gros spot en hauteur. C'est un super spot. Donc si la vidéo vous a plu, du like, si vous n'avez pas déjà fait, de liker, vous abonnez, si vous n'avez pas déjà fait. Et moi, je vous dis bye tout le monde.